Une Schubertiade, c'est un nom qui est apparu du temps de Schubert lui-même, et c'était un moment un peu privilégié dans différents salons de Vienne, au temps de Schubert. C'était une occasion pour lui de rassembler autour de lui ses amis poètes, ses amis compositeurs, ses amis musiciens, et même un cercle un peu plus large que ça, ses amis en général, tout simplement pour des moments un tout petit peu privilégiés, un petit peu chaleureux, autour de la musique et de la poésie. C'est-à-dire qu'on se retrouvait une après-midi entière autour du piano, et c'était l'occasion d'y entendre des pièces vocales pour plusieurs voix, des pièces pour piano, des leaders, donc des pièces pour une voix et piano. Un moment un petit peu de laboratoire qui permettait à différents compositeurs de tester certaines pièces, de voir si elles suscitaient l'intérêt et l'éveil du public. Nous allons confronter pour ce programme et pour cette soirée une première partie avec quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de la musique sacrée chorale romantique, notamment au travers de pièces de Johannes Brahms et Félix Mendelssohn, qui sont peut-être les deux grandes figures du répertoire germanique choral de cette époque-là. Et en deuxième partie, une partie plus intime, moins impressionnante, et qui a donc plus vocation à se passer dans un salon. De ce concert, vous pourrez entendre ce qui sera le résultat de plusieurs jours d'intervention des chanteurs de Pygmalion et de moi-même autour de différentes classes, chœurs de Besançon. Cette saison, la scène nationale a eu l'occasion d'accueillir trois fois Raphaël Pichon et son ensemble, l'ensemble Pygmalion, à travers trois programmes assez différents. Donc l'Autre Cantor, qui est un projet autour de Christophe Kroepner et Jean-Sébastien Bach, l'opéra Castor et Pollux de Rameau, et ce soir un concert autour de Schubert qui s'intitule Schubertiade. Donc à travers la présence régulière de Raphaël Pichon, nous avons souhaité imaginer avec lui un projet d'action artistique sur plusieurs mois, et c'est ainsi que nous avons choisi de travailler sur le chœur et sur le chant canon. Chorales, soit existantes, soit qui se sont constituées pour cet événement, ont travaillé de janvier à février, seuls, en tout cas avec des intervenants, mais sans la présence de Raphaël, sur la technique du chant canon. Au mois de février, Raphaël est venu à Besançon pendant plusieurs jours avec 8 chanteuses solistes pour à la fois nous présenter une petite forme de chant canon et puis pour ensuite rencontrer tous les groupes, écouter leurs travaux et leur apprendre deux chants canons qui seront interprétés donc ce soir, Argentine et le printemps. Dans le cadre de ce projet, nous avons réuni des chorales déjà constituées
comme par exemple le KM de Planoise ou le COS de la ville de Besançon. Mais des chorales se sont aussi constituées comme au Centre Bellevaux, donc un chœur qui mêle famille et patients. La scène nationale et des enseignants des écoles primaires de Planoise, et puis la classe de CE2 de l'école Bourgogne d'Anne Bellefoy. L'aboutissement de plusieurs mois de travail. C'est un projet qui a été aussi soutenu par la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, et c'est un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur et qui nous a permis de travailler avec Raphaël et ses solistes de manière vraiment très intéressante, avec beaucoup d'écoute, de générosité, et que nous découvrirons donc tous ensemble ce soir.